seul mot, continuez. Och matchvinnare blir... Jag skjuter, och det är mål! Vill göra sitt andra mål! Spel, ekeke, 2-1! Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le privilège de rencontrer une étoile montante du football, Ferdinand Mbang. Il nous reçoit chez lui, à Bilbao, en Espagne. Bonjour, monsieur Ferdinand Mbang. Bonjour, madame. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent déjà au Cameroun, votre pays d'origine, mais ici en Europe, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, madame, merci. Je suis Ferdinand Mbang, footballeur camerounais, âgé de 25 ans et résident en Espagne et évolué en Espagne. Quels ont été vos débuts dans le football? Mes débuts dans le football ont été comme tout gamin africain. J'ai commencé dans la rue avec les enfants de mon âge en jouant sur le goudron. Et ensuite, j'ai commencé à être repéré par les dirigeants de club pour jouer les interquartiers, quoi, ce qui est vulgairement appelé au Cameroun interquartier, comme championnat de vacances précisément. Et ensuite, par d'autres clubs fédérés déjà, par exemple Dreams de Bonham Sadi, où j'ai évolué avec. C'était un de mes amis. Et je vais vous donner exactement le nom de l'un de mes amis qui évolue aujourd'hui à Montpellier, Henri Samevedimo. Et un deuxième qui est en Angleterre aujourd'hui, Biké, Stéphane Biké. À quel moment votre carrière à vous est-elle devenue internationale? Ma carrière est devenue internationale à l'âge de 17 ans. Et ensuite, j'ai été aussi cadet. National, international bien sûr, où j'ai participé aux Jeux africains au Niger. Que représente le football pour vous? Le football pour moi représente, c'est ma passion et ensuite c'est ma profession aussi. Quelles sont les personnalités du football qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore? Je vais citer trois personnages, tels que Roger Milla en première position, qui a impressionné le monde entier pendant beaucoup d'années, que ce soit au niveau européen, que ce soit en Afrique. Il a fait ses preuves, il a été nommé ambassadeur itinérant au niveau du Cameroun et joueur africain du siècle. Et Roger Milla, c'est une personne, c'est un monument dans le football, c'est un homme qui a essayé de m'éveiller aussi dans le football. Et je regarde les vidéos de Roger Milla, ça me remotive, ça me met dans les rails, quoi. Et ensuite, j'ai Oliver Bierhoff, celui à qui j'ai copié l'un de mes points forts, qui est le jeu de tête, quoi. Attaquant allemand. Et ensuite, j'ai aussi l'Ivoirien Yaya Touré, qui est un joueur impressionnant, qui a aussi fait déjà ses preuves un peu partout, ici en Europe, bien sûr. Et ensuite, je crois que nous avons... presque les mêmes qualités. Quelles sont selon vous les qualités d'un bon joueur de football aujourd'hui? Pour moi, les qualités d'un bon joueur de football, c'est le travail et la discipline. Je pouvais aussi parler du talent, mais seul le talent ne suffit pas. Quels sont vos points forts à vous, monsieur Mbang? Mes points forts à moi sont, vous savez, moi, premièrement, je suis un joueur polyvalent. Et je suis aussi un joueur fort, fort mentalement, physiquement, et j'ai de l'expérience sur le terrain. Le bon positionnement, ça, ce sont mes... Le bon jeu de tête aussi, comme je disais tantôt, ce que j'ai eu à copier à l'attaquant allemand, Oliver Bierhoff. Donc ça, ce sont mes points forts dans le football. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à persévérer dans un milieu que l'on sait être très concurrentiel? Ce qui me motive aujourd'hui à persévérer dans ce milieu, c'est surtout l'amour que j'ai pour le football. Et vous savez, je suis jeune,
et j'ai encore toutes les possibilités d'atteindre le plus haut niveau possible. Je crois que ça, c'est ça qui m'amène à être motivé jusqu'à présent. Est-ce que c'est votre rêve professionnel? Oui, c'est mon rêve professionnel, bien sûr. Pourquoi? Parce que tout bon footballeur rêve à être connu par le monde entier et obtenir de bons contrats et gagner de grands titres. Quoi. Si demain la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, vous contacte pour représenter le Cameroun, comment allez-vous réagir? Oui, bien sûr, ça c'est sans doute. Ça c'est le rêve de tout bon footballeur aussi. Et je n'hésiterai pas. Vous savez, je suis un lieu indomptable, je suis censé défendre les couleurs de mon pays. Merci Monsieur Ambang pour cette interview. Merci Madame. Voilà, nous vous souhaitons une bonne continuation pour votre carrière et que votre talent vous apporte tout le succès et la reconnaissance que vous méritez. Merci. Au revoir à tous. Equipo Ferdinand y decir que es un chico muy majo, que estamos encantados con él desde que ha venido, que es un buen jugador de fútbol pero sobre todo buena persona y que es un gusto tener en el equipo, que es muy buen chico y jugando a fútbol le ha gustado verle. Bueno, ahora voy a hablar el cambio un poquito. Es un placer haber cogido a Ferdinand en este equipo, que será como uno más, nos apoya en todo, con su experiencia muchos años jugando al fútbol por ahí. Estamos encantados de tener aquí.